Voilà. Bonjour à tous. Voilà, nous sommes le centre de solutions de Rise for Climate en collaboration avec Extrapreneurs. C'est le dernier stand là-bas. Une douzaine d'extrapreneurs vont se coller pendant 3 mois, 7/7/24, pour développer une feuille de route pour les individus, pour les entreprises et pour les territoires. Venir avec des centaines de multisolutions, parce que ça fait environ 2 mois qu'on fait la tournée des grands ducs, des grandes entreprises, des cabinets ministériels. Et en fait, tout le monde est complètement perdu face à l'ampleur des enjeux. En fait, le climat, ce n'est pas le seul enjeu. On a 25 grands enjeux historiques auxquels on va devoir faire face dans les 12 prochaines années. Et la question, la solution en fait à tout ça, on sait déjà maintenant qu'on n'aura ni le temps ni l'argent de régler tous ces enjeux. Les enjeux, c'est quoi? C'est le vieillissement de la population, c'est les métiers de demain, c'est les écosystèmes. Eh bien, ça fait 25 grands enjeux. La mauvaise nouvelle, c'est qu'on ne pourra pas les gérer un par un. On n'aura pas l'argent, pas le temps. Par contre, la clé ici, on s'est rendu compte de ça, ce sont les multisolutions. C'est la transition systémique. Alors la bonne nouvelle, c'est que les grandes entreprises vous ont entendu. On a eu un contact dans les dernières quelques semaines avec les plus gros pollueurs de la planète, ici, pas loin d'ici, ils sont pas loin d'ici d'ailleurs. Et ils se sont rendus compte en fait qu'ils doivent se racheter face à votre génération. Ils doivent s'acheter une licence pour fonctionner, pour opérer. Donc ils sont prêts maintenant à ouvrir la boîte, à réfléchir ensemble. Alors le grand message évidemment sera de collaborer entre les cabinets ministériels, entre les secteurs de l'industrie, collaborer, amener des solutions systémiques. Alors voilà, si vous voulez participer, je sais qu'il y a des chefs d'entreprise ici même, si vous voulez également pousser la porte de vos directions, pousser la porte de chez nous pour venir amener vos multisolutions, c'est-à-dire que si chacun de nous amène des multisolutions aux enjeux du moment, eh bien nous allons en 3 mois, 6 mois, 12 mois amener un million de nouvelles solutions et accélérer la courbe d'apprentissage des nouvelles solutions. Ce n'est pas que prendre des transports en public. Hein. Alors, ce que je me suis rendu compte en faisant un peu la tournée depuis 2 mois, c'est que c'est la première fois de l'histoire réellement que nous avons le pouvoir. Le politique est perdu face aux enjeux. Les entreprises sont comment perdues parce qu'elles ne sont pas préparées à fonctionner en collaboratif. Et c'est à nous la possibilité, c'est à nous de donner des solutions et de montrer l'exemple que nous sommes capables de collaborer. Voilà. Alors les lobbies, pour terminer là-dessus, les lobbies, je ne vais pas donner de nom et d'adresse, mais je vous assure, il y a des lobbies et des fédérations qui s'abordent, qui piratent les projets les plus intéressants. Donc je ne vais pas donner de nom et d'adresse aujourd'hui, mais à la prochaine fois, on donnera des noms et des adresses, des fédérations et des lobbies qui s'abordent les projets intelligents. Alors on les invite solennellement, au lieu d'avoir peur, de collaborer avec nous et de construire ces entreprises et ces métiers de demain. Voilà, appel à tous, merci et bonne chance. Michel Decanter, merci pour les multisolutions, Michel, et Rise for the Climate Solution Center. Et oui, on a encore un concert de Tom White Shoes.